Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que ce sera très bien, c'était les Câbles Ouest. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 de notre aventure sur Pokémon version Crystal. Alors souvenez-vous ce qu'on avait fait dans la dernière vidéo. On avait capturé des nouveaux compagnons, à savoir Nosferapsi et Fantominus. Puis on était arrivé à la cité de Mauville. Puis on avait commencé à visiter la tour Chétiflore. Et puis on s'était arrêté là, en plein milieu de cette tour. Alors en off, il me semble que j'ai pas fait grand chose. Je n'ai rien fait même si j'ai soigné mon équipe, voilà. Et Fantominus était passé au niveau 7 parce qu'il avait rencontré un autre Fantominus et je l'avais fait combattre. Et puis voilà, il était passé au niveau 7 simplement. Je peux plus voir vos retours sur l'épisode numéro 2. Mais j'ai pu voir bien en détail ceux sur l'épisode 1. Hein, même si bon, il peut très bien en avoir d'autres qui arrivent après. Tout simplement, le concept vous plaît. Hein, ça me fait vraiment plaisir. Le concept vous plaît. Je suppose que vous êtes impatient à ce que j'ai des Pokémon KO. Pas moi. Pas moi du tout. Hein. Je suis pas impatient du tout d'avoir des Pokémon KO, hein, ça c'est bon qu'on puisse dire. Mais vous, si, en tout cas vous l'êtes. Et ça fait plaisir simplement, hein. J'espère que vous serez nombreux à regarder ce let's play. Ça, c'est vraiment la motivation primordiale pour moi. Que vous soyez nombreux à regarder ce let's play, voilà, excusez-moi pour le petit blanc qu'il y a eu. Alors, on est reparti, hein. On va affronter les dresseurs qui nous restent simplement, on va commencer par lui. Je m'entraîne pour trouver la voix du Pokémon. D'accord, lui il se croit dans une religion. Normalement, c'est la voix du Seigneur qu'on dit. N'importe quoi. Il a qu'un seul Pokémon. Ah, Chétiflore, mais il est pas niveau 3, c'est du coup. Hein. Ah, il est niveau 6. Hein. Bon, Fantominus est apte. Hein. Et Hypnose. Ça va pas commencer, sérieusement. 2 PV, ça. Allez, Hypnose. Voilà. Ah bah d'ailleurs il doit être à la noce mon fan de type plante là. Mon abonné fan de type plante il doit être à la noce là et dans la tour Chétiflore. Depuis le début on a fait que des types plantes. Et voilà. Monte au niveau 8 non? Oh oui c'est bon. Yep. Il apprend dépit hein, normalement. Tu dois prendre dépit là. Ouais. C'est bien. Il a perdu. Mon entraînement est insuffisant. Tout à fait. Quand un Pokémon gagne en puissance, son dresseur devient plus fort. Hein. Non, attends, c'est le contraire, je crois. Je sais plus. Quand un Pokémon gagne en puissance, son dresseur devient plus fort. Moi, je pense que c'est à peu près... c'est interchangeable, en fait. Hein, c'est valable pour les deux, quoi. Bonjour. La cesse de l'ancien éclaire même les sombres cavernes. Il parle de... Il te doit parler de Flash. Ok, c'est aussi un Chétiflore niveau 6, c'est ça? Ouais. Eh bah, Fantominus, tu vas l'endormir. Hein. Hypnose. Ah, j'ai de la chance, ça marche. Allez, Caïminus. Fais ta part de boulot. Bon, puisqu'il est endormi, il griffe, hein, parce que Frenzy ça marchera pas de toute façon. On va pas accélérer parce que. Réveille-toi pas. Oh, c'est bon, croissance, c'est bon. Hop, allez. Et voilà. Voilà. Alors, dans les dernières générations, l'XP n'est plus partagé. En fait, si on échange les Pokémon, eh ben ils recevront le maximum de points d'expérience possible, alors que là, l'XP était partagé. Hein, en gros, les points d'XP c'était plus compliqué dans les anciennes générations que maintenant, quoi. Et ça c'est dommage hein, que Pokémon soit devenu plus facile au fur et à mesure des générations, ça je trouve c'est dommage. Déjà que c'était pas hyper compliqué à cette époque-là. Ok. Bonjour. Montre-moi à quel point tu fais confiance à tes Pokémon. Chétiflore, ok. Niveau 6. Ah non, niveau 7. Ok. Allez, endors-toi. Oh oui, j'ai de la chance. Enfin, c'est une chance sur deux à chaque fois. Quoi. Ouais, c'est 55% de précision, c'est un peu plus une chance sur deux. Caïminus. Go! On va utiliser Griffe.
En 3 griffes, c'est bon. C'est pas sûr. Hein. Aïe aïe aïe, frénésie, allez. Comme ça, s'il me fait un Foiliagne, ça me sera profitable. Mais c'est pas le cas. Allez, frénésie. Normalement, griffe, ça me met KO là. Allez, griffe. Oui. Fantomius va monter au niveau 9. Ouais. Impec. Et Caminus va rester au niveau 11. Il va envoyer qui maintenant? Ou toutes, d'accord. Je rappelle que c'est en défini, hein. C'est pour ça que je peux pas la possibilité de changer de Pokémon. Hein. Ça fait partie des règles du challenge. Le Kaogage Challenge, je l'ai appelé. Charge, merci. Attaque-moi. Voilà. Ouais, c'est tout à fait ce que je voulais. Allez, frénésie. Voilà, t'es dans l'orange normalement. Ouais, encore une petite charge, ça serait cool. Oh, Impec. Merci. Allez. Allez, frénésie. Voilà. Et il monte au niveau 12 normalement. Ouais, c'est sûr. Allez, bim, niveau 12. Pokéminus. Et il a perdu. Ta confiance est totale. Bien. Merci. L'ancien n'est plus très loin. Eh, mais c'est vraiment religieux. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Tu es sans conteste. Un bon dresseur. Comme promis, voici ta CS. Un conseil toutefois. Traite tes Pokémon avec plus de gentillesse. Tu es bien trop âpre au combat. Les Pokémon ne sont pas des engins de guerre. On l'appelle l'ancien, mais il est super nul. Il raconte n'importe quoi. Je ne me ferai jamais battre par un crétin qui conseille d'être gentil avec les Pokémon. Bah si, moi. Seuls les Pokémon puissants sont importants. Je me contrefiche des Pokémon mignons et faibles. Et, Fouilleto utilise une code sortie. T'as pas eu le courage de te retaper toute la tour? Non, parce que, sérieusement, le sport, c'est bon pour la santé. Voilà, faut bouger dans la vie. Eh oui. Oh. Ah! Mister Wiggle. Ou Twerk, ça dépend. Hein. Certains m'ont dit Wiggle, d'autres m'ont dit Twerk. Vous prenez la fuite, ouais. Y'a rien d'autre, là? Bon, bah, on va affronter Monsieur l'Ancien, hein, du coup. Hein. Il s'appelle Ancien, pardon. Bienvenue à toi, mon poussin. Non, mais tu vas te calmer, hein. Pas ton poussin. La tour Chitifleur est un lieu d'entraînement. Humains et Pokémon, ils renforcent leurs liens pour des lendemains qui chantent. Je serai ton adversaire final. Permets-moi de mettre à l'épreuve ton amitié envers tes Pokémon. Ah, c'est parti. Il va voir quoi? Il va voir Chitifleur et Outhout, c'est un truc comme ça. Ah, t'as 3 Pokémon quand même. Chitifleur. Niveau 7. Hypnose. C'était le moment, c'était bien, c'était pas le moment que ça échoue, hein, tant mieux. Là, je vous avoue que ça fait un peu peur parce que j'ai pas le starter approprié. Donc, si je me prends un coup critique dans la gueule, je pourrais avoir mon premier KO. Enfin, pour l'instant, le challenge est normal en fait, hein. Mis à part que le combat est en mode défini, c'est la seule difficulté de mon challenge pour le moment. Mais si je commence à avoir un Pokémon KO, ça sera plus le cas là par contre. Là, mon challenge va devenir beaucoup plus difficile. Griffe. Au bout de 3 griffes, t'es mort. Ouais, c'est bon, impec. Je peux encaisser de dégâts sur le Chitifleur numéro 1. Parce que je pense qu'il en a 2, voire 3. Allez, bim. Ok. On va switcher parce que j'ai pas envie de le laisser réveiller. Hein. Ça pourrait être dangereux. Fantominus, go. Voyons ce que ton Foiliagne m'a... Croissance. Aïe, aïe, aïe. Allez, vite, endors-le. Ah, endors-le, endors-le. Oh, oui, 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 oui. Endors-le, voilà. Eh, je vais faire la technique de l'enfoiré. Je vais faire des pis jusqu'à temps qu'il ait plus de Foiliagne. Voilà. Baisse de 3. Baisse de 3. Il y en a... Baisse de 3.
Ah, il en a plus, cool. Bah, allez, utilise tes croissances, maintenant j'en ai rien à faire. T'as plus de folie, de toute façon. Tu n'as que des croissances. Eh ouais. Je suis un salopard. Donc maintenant, bah maintenant, du coup, je vais pouvoir mettre Kaiminus. Y a plus aucun souci. Ah écoutez, hein, faut être intelligent dans la vie. Hein. Ouais, croissance si tu veux. M'en fous, moi. Gros yeux. Parce que j'ai pas envie de passer 50 ans à faire des griffes en fait. Les griffes, non, ça te retire la moitié des PV grâce aux gros yeux. Ouais, en deux tours t'es KO. Ça va, ça va, ça va, ça se passe bien. Je craignais un peu, mais ça se passe bien. Allez, t'es KO. Il lui reste un Pokémon. Dans mon souvenir, c'est un Houtout. Ouais. Quel niveau? Un niveau 10 quand même. Hein. Frénésie. Frénésie. Voilà, nickel, chouette. Commence à m'attaquer, ça c'est bien ça. Allez, frénésie. Charge. Ok, c'était donc la dernière frénésie. 5 PV charge quand même. Hein. Allez, frénésie. Et normalement, il est KO. Et le combat est gagné. C'est bon. Niveau 13 peut-être. Ouais, niveau 13. Ouais, niveau 13, c'est bon. Pistolet à eau, il apprend normalement. Oui. Nickel. Et il a perdu. Ah, excellent. Merci. Toi et tes Pokémon méritaient bien cette nouvelle capacité. Prends donc cette flash. Et merci. Le flash illumine les endroits les plus sombres. Pour l'utiliser en dehors des combats, il te faudra cependant le badge de la reine de Mobile. T'as encore quelque chose à me dire ou pas? Va, vol et apprends la vie grâce au Pokémon. D'accord. On va sortir de la tour, mais au cas où il y aurait des combats, je vais mettre Titar en number one. Voilà. Parce qu'il a besoin d'être un peu XP. D'ailleurs, je pense que pour le prochain épisode, je vais un peu XP mon équipe. Hein. Allez. Et petit arme au niveau 8. Voilà. Ça c'est bien. Ça c'est fait. Mais c'est Nosferatu surtout qu'il faut que j'XP en fait. Je le ferai pour le prochain épisode. Ah oui. Et il fait jour. Je tourne la journée. Rien que ça, ça mérite un pouce bleu. On est mercredi, il est 3h38. Voilà. Rien que ça, ça mérite un pouce bleu. Il fait jour. Les amis. Fait jour. Allez, bon, salut. Merci, au revoir. Bon, on va aller récupérer vite fait ce qu'il a nous donné, lui. Salut, Maxime. Quoi? Tu te fous de moi? Eh? Mais tu m'avais pas appelé pour des baies, là? Sérieux? Quoi? Oh, l'escroc. Escroc. Sérieux. Il a... Mais je suis pas fou, il avait appelé pour des baies. J'ai pas récupéré un off, hein. Sous ma gueule, lui. Oh, mince. C'est pas grave. On va faire la reine, hein. Un recool, là. Niveau 4. Voilà. C'est dommage qu'on puisse pas courir dans cette génération. Ils ont instauré ça seulement à partir de la 3G. Et c'est bien dommage qu'il l'ait pas instauré avant. Hein. Vos Pokémon sont super formes. Oui. On va faire l'arène. Mais avant une chose, je vais récupérer déjà ça. Voilà. Voilà. Hop. Un go to the truc là. Machin chouette là. Voilà. Vendre. Proposition plus. C'est où là? Elle est là. 475 en plus quand même, hein. C'est pas mal, hein. Ouais, ouais, ça me va. Merci. Voilà, non, à la prochaine. Et maintenant, on va s'attaquer à la reine. Je veux passer aux 20h, moi. Bonjour, monsieur. Hé, hey, toi, je ne suis pas un dresseur, mais je peux te donner quelques conseils. Crois-moi, tes rêves de star peuvent se réaliser. T'y crois? Alors écoute bien.
Les plantes sont faibles contre les volants, garde sans mémoire. D'accord, c'est tout ce que t'as à me dire, toi. Faut arriver. on va mettre qui en premier, hein. Ouais, petit art, écoutez, on va mettre petit art, écoutez. Yo! Montre-moi si tu as les épaules pour battre Albert. Mais oui, je les ai. Pierre Fabek, je crois. Ouais. Tranquille, en train de se gratter le dos. Niveau 9. Ah merde. C'est par contre j'ai oublié. C'est par contre j'ai oublié ce petit détail. Pic 35. Elle est plus rapide que moi en plus. Ouh, attention. Attention, on va pas faire le fou là. On va pas faire le fou, pistolet là-haut, ça fait quoi? Ouais. Putain, il m'a retiré la moitié de ma vie, quoi. Sérieusement. T'es KO, j'espère. Oh non. Ah non, mais là, ça va pas le faire, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais. Impossible, ouais. Impossible, impossible que tu m'aies défoncé la gueule comme ça, quoi. Ah non, mais c'est impossible, ça. Effectivement, je confirme. Impossible, impossible. Allez. Ouais. Ouais, 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 ouais. Dans ce rapti, je laisse de côté pour l'instant. Hein. Hop là. Salut, mec. Le mot-clé est le cran. Ce DC s'entraîne nuit et jour pour devenir maître des Pokémon volants. Allez! Ellie, ornithologue, veut se battre. Tu as deux Pokémon, un Rukul. Ils sont pas niveau 9 là quand même, niveau 7, ouais. Et Tita. Tita, n'importe quoi. Tita, c'est mon Pokémon, je suis con. Hein. Hypnose. Voilà. J'ai deux Pokémon qui peuvent m'endormir, ça c'est plutôt cool. Bon, on va tout de suite switcher sur Kaiminus. Hein. Allez, Kaiminus! Go! Il dort. Impec, il dort. Pistolet à eau. Voilà. Ouf! Il se réveille. Charge. Ça va. Pistolet à eau, t'es KO, c'est bon. Allez, t'es KO. Voilà. Il monte au niveau 9, Titar. Il apprend rien, non. Et Pierre Fabek, le deuxième, je suppose. Ah, Rukul encore, ok. Bon, on va faire ça vite fait. Voilà. Et il est perdu. Ya yeah. Ouais, d'accord. Ya yeah. L'habilité d'Albert est bien réelle. Si tu as les chevilles qui enflent, change de basket. D'accord. Voici Monsieur Albert, donc. Enfin, pourquoi je dis Monsieur, moi? Depuis quand je respecte mes adversaires? Pouah, sauvegarder, hein. Voilà. Ouais. Et ensuite, on va aller affronter Albert, hein, du coup. Du coup, du coup, du coup. Allez. Je suis Albert, le champion d'arène de Mauville. On dit qu'avec une bonne décharge électrique, les Pokémon volants grillent. Je n'autorise personne à insulter les Pokémon, hein. Tu vas survivre les terribles attaques de mes Pokémon volants. Son recouf me fait vraiment flipper. Niveau 7, ça va. Sauf que là, je vais jouer stratégie en fait. Je vais faire frénésie. Ouais. Ah oui. Frénésie. Ouf. Ok. Hérocoups. T'as les niveaux 13, je crois. Comme quand il est ça. Non, niveau 9. Ah bon? Mais dans Ergon Sous-Hiver, il est niveau 13. Hein. Ça va. Ça va.
pas de coup critique, surtout pas. C'est bon. Normalement, il est KO là. Yep. C'est bon. Enfin, c'est bon, vous, vous êtes peut-être déçu que j'ai pas eu de KO. Camus au niveau 14. Ok. Zut de flûte, les Pokémon adorés de mon papa. Très bien, prends ceci. C'est le badge Zephyr officiel de la Ligue Pokémon. Et voici notre premier badge. Le badge Zephyr augmente l'attaque des Pokémon. Il permet aussi aux Pokémon d'utiliser Flash en dehors des combats. Prends ça aussi. CD 31, qu'est-ce que c'est? Je sais plus du tout ce que c'est. En utilisant une CT, les Pokémon apprennent une nouvelle capacité. Réfléchis bien rien avant d'agir. Une CT ne s'utilise qu'une seule fois. Enfin, qu'une fois. Ah merde, ça c'est vrai que c'est chiant par contre. À cette époque-là, les CT n'utilisaient qu'une seule fois. La CT 31 contient coup de boue. Coup de boue, ah bon. Elle réduit la précision de l'ennemi et lui inflige des dégâts. Entre totem, c'est à la fois offensif et défensif. D'accord. Il y a des arènes Pokémon dans les alentours. Tu devrais tester ton habilité dans ces arènes. Je vais m'entraîner plusieurs pour devenir le plus grand. Ok. Qui peut apprendre coup de boue d'ailleurs? Déjà Flash, qui peut le prendre? Personne, d'accord. Coup de boue, qui peut le prendre? Caminus, ouais, je peux lui apprendre. Pas trop intérêt. En fait, voilà. T'as vu, j'ai battu, hein, la reine. Hein. Eh, hey, beau combat, ne lâche pas prise, et tu deviendras son problème, une star. Voici le mec, il a craqué, ça. Voici le premier badge. Voilà, vous voyez tournoyer, c'est génial. Et puis, vous voyez aussi sur le layout, de toute façon. Donc voilà, Wally Walou, quoi, c'est génial. Elle est au centre de l'arène, quoi. Eh, je suis une star maintenant, et j'ai un badge, quoi, t'as vu. Qu'est-ce que tu veux, toi, professeur Orm? Ah ouais, Nicolas, on a découvert quelque chose sur l'œuf. Mon assistant est au centre Pokémon de Mauville, va lui parler. Ok. De toute façon, je devais soigner mes Pokémon, donc voilà. Ah, il est là, d'accord. Ouais, bonjour. Nicolas, ça faisait longtemps. Le professeur Orm m'a demandé de te trouver. Il a encore un service à te demander. Encore? Décidément, peux-tu prendre l'œuf de Pokémon? Hein? C'est si soudain, je sais pas, j'hésite. Ouais, je le prends. Nous avons découvert qu'un Pokémon ne peut naître qu'en grandissant dans l'œuf. Il doit aussi être en compagnie de Pokémon actifs. Nicolas, nous ne pouvons compter que compter sur toi. Appelle le professeur Orm après son éclosion. Ok. Par contre, il y a un truc là qui m'énerve. C'est lui là. Comment se fait-il que lui m'ait escroqué mes baies? Non mais sérieux quoi? Il m'a eu hein. Il m'a eu. Voilà. Alors, on va pouvoir vous regarder l'œuf. Le voilà. Il se déplace à l'intérieur de ce point d'éclore. Alors, pour le prochain épisode, je vais je vais laisser Fantomius niveau 10, il est bien niveau 10. Ne sera-t-il par contre lui, je vais l'XP, mais allez. Je vais l'XP, allez, niveau 9, voilà. Niveau 9, ou 8, on verra. Titar, je vais le passer niveau 10. Hein. Et puis Caiminus, je vais le laisser niveau 14, voilà. Donc, Titar niveau 10, ne sera-t-il 8, 9, et le reste inchangé. Voilà, le programme pour le prochain épisode. On est à 25 minutes, on va pas se quitter tout de suite. Enfin si, on va se quitter bientôt quand même. Mais je vais faire un petit tour par là. Avant de continuer, parce que l'aventure continue vers le sud. Hein. Je vais faire un petit tour sur la route 36 quand même, parce qu'il y a une CT à récupérer nos souvenirs. Et un drôle d'arbre bloque le passage vers Doublonville. Je peux pas faire mes courses, on devrait faire quelque chose. C'est toi qui es dans la CT je crois. Yata! J'allais éclater cet arbre avec mon poing du dragon. Mais j'y arrive pas, je suis nul. Ah non, tu la donnes pas? Sérieusement? Ah, et voici l'arbre bizarre. Qui est un cible arbre, ça je l'ai déjà dit la dernière fois. Rune Alpha entraîneur. Les ruines Alpha. Ah, tu as vu cette arbre louche sur la route? C'est à cause de lui que personne ne visite les ruines d'Alpha.
Ah bon, mais les gens de Mauville, ils peuvent pas visiter les ruines d'Alpha? Qui a fait mieux construire tout ça et pourquoi? Je sais pas. Pierre Mystère, chambre du panneau. J'aime bien cette musique, hein, franchement, elle est cool. Bonjour, les ruines sont vieilles d'environ 1500 ans. Personne ne sait qui a pu les construire, ni dans quel but. Il y a des figures étranges sur les murs des ruines. Elles doivent être la clé du mystère des ruines. Sans déconner, vous pouvez pas faire un ni oui ni non, mais en fait, c'est pas oui et non que vous devez dire, mes ruines. Ouais, quoi, ce serait cool. Ruine d'Afa, bienvenue. Oh, la musique. Cet endroit est mystique. Ouais, c'est clair, hein. Sommes le tort du monde, ouais. Putain, mais la musique, quoi. C'est une musique, mais... Waouh, et puis vous avez vu ces impressions étranges sur... Enfin, ces impressions étranges sur les murs, là. C'est une grande salle, mais elle est vide. Bon, les Pokémon, vous savez, je pense que c'est tous aussi des arbis, hein. Vous savez pas vraiment ce mystère, mais il y a un message codé, c'est pas possible. Bon, je le lirai pas, j'ai un peu la flemme. Je connais pas spécialement les arbis, quoi. Spécialement, Pierre Mystère, chambre du panneau. Bonjour. Bienvenue dans cette salle. Des panneaux coulissants représentent un Pokémon dessiné par les anciens. Bouge les panneaux pour reconstituer le dessin. À droite se trouve la description du Pokémon. Au fond, des scientifiques analysent des nouvelles figures. Ah bon? Ah ouais. Non, mais c'est bon, on a compris. Bonjour, récemment d'étranges signes sont apparus. Bizarre, il n'y était pas auparavant. Bah, donc jeter un œil sur les murs. Et bon, ce que je veux côté, avant qu'on se laisse, c'est que je fasse le petit dessin là, ici. Là. Hein, un Pokémon qui se cachait au fond des mers. Les dieux se sont tous scrutés les environs. Bon, allez, voilà où, on va faire le petit dessin. Non, on va le faire la prochaine fois, j'ai un peu la flemme là. start retour, voilà. Bon, bah écoutez, les amis, hein, on va le faire la prochaine fois, on va se poser ici, hein, voilà. Enfin, on va plutôt aller là. Oui, je sais, je suis très instable. Je change d'avis comme de chemise, voilà. Il y a des dessins sur les panneaux, j'essaie de les déplacer. Quelle est leur fonction? Ruine d'Alpha. Un site touristique interactif. Essayez les panneaux coulissants. D'accord, lui, c'est un mec qui fait sa pub, au calme. Tu utilises les ruines d'Alpha? Tu aimes la science, toi? Oui, j'aime la science, j'aime la science, effectivement, oui, j'aime tout, j'aime la science, j'aime la non-science, j'aime la philo aussi. Voilà. Bref, on va se laisser ici, les amis. Hein. La prochaine fois, on se retrouvera pour la suite de notre aventure. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On va faire une petite sauvegarde maintenant, parce que j'ai envie. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires. Moi, je vous dis donc, on se retrouve très très vite pour l'épisode numéro 4. On fera peut-être les destins des ruines d'Alpha. Ou sinon, on continuera notre aventure vers le sud, quoi. Et j'aurai un peu XP. Mon équipe, surtout Nosferapti, en a bien besoin. Allez, ciao, bye tout le monde, c'était les Cable Best.